Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter deux produits de la gamme Ideal Lumineuse. Avon sort actuellement deux produits, nous allons avoir un blush et un enlumineur qui sont vraiment de très très beaux produits. Concernant le packaging, alors ce sont des packaging très classiques hein, comme les quatuors, les blushs, les poudres, etc. Et concernant les produits par contre, ce sont vraiment deux bijoux. Voici donc les merveilles. Vous allez avoir d'un côté le blush qui est ici, donc un blush irisé, on va dire un pêche rosé qui est magnifique, et vous avez un enlumineur. Nous allons voir ensemble comment appliquer ces deux produits. Alors, l'enlumineur va d'abord venir vous apporter de la brillance et un espèce d'effet bonne mine. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau. Et je vais utiliser l'enlumineur sur, en tout cas moi, vraiment sur toute cette partie du visage. Donc sur les tempes et sur la partie haute des pommettes. Alors attention parce que c'est un produit qui est assez poudreux. Alors par contre, j'ai commis l'erreur de ne pas amener, j'allais dire de ne pas amener de miroir, mais il y a un miroir. Alors c'est un produit qui va vraiment vous apporter un effet irisé. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Vous allez avoir un effet irisé pailleté qui va vraiment venir illuminer votre visage. Alors après, personnellement, je ne vais pas mettre ça sur tout mon visage hein, parce que le but c'est pas de ressembler à une boule à facettes. Ce n'est pas non plus là pour venir vous colorer le visage. C'est vraiment pour vous apporter de la lumière et de la brillance. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir appliquer le blush, donc avec un autre pinceau. Moi, c'est vrai que j'aime bien les pinceaux un peu biseautés, comme ça. Et le blush, eh bien, je vais l'appliquer tout simplement sur mes joues. Alors moi, je ne m'embête pas, je souris et j'applique sur le bombé. Je les teste en direct, ces produits, hein. Je vous préviens, parce que j'ai pas pu les tester plus tôt. Je pense que ça se voit pas mal à la caméra. En fait, il est vachement pigmenté comme blush. J'aurais peut-être pu commencer par vous faire des swatchs. Je fais tout dans le mauvais sens aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Voilà, si vous trouvez que vous y allez un petit peu trop fort sur le blush, bah vous venez estomper avec un autre pinceau, hein, c'est pas un problème. Mais on arrive quand même à avoir meilleure mine. Bon, c'est vrai qu'à la base, j'ai une teinte fantôme en ce moment, mais... on arrive à avoir quelque chose d'assez sympa. Alors, concernant la pigmentation des produits quand même, je vais vous faire un swatch. Donc, ils sont vraiment bien bien poudreux. Hein. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a pas mal de dépôts. Donc, tapotez votre pinceau. Donc, le swatch de l'enlumineur. Oui, bien toutes les paillettes. Et le swatch du blush. Qui est là, qui est un blush assez léger. Sa teinte est assez légère, mais sa pigmentation est bonne, hein, je trouve vraiment. Donc voilà le résultat. Je suis maquillée surtout avec l'écran de contrôle, donc c'est pas forcément très judicieux. Hein. L'idéal c'est de faire ça devant un miroir. Parce que là je suis quand même assez loin de l'écran de contrôle. Maintenant voilà, le résultat est quand même pas mal. J'ai vraiment rehaussé la couleur de mes joues et ça donne quand même un effet un petit peu meilleure mine. Surtout qu'en ce moment j'ai quand même un teint de bidet. Voilà, vraiment un peu plus de brillance avec l'enlumineur. Concernant le prix de ces produits, alors ils sont en prix régulier à 15,50€. Mais vous allez pouvoir les acquérir dans la campagne actuelle à 8,90€. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le catalogue en ligne sur le site avon.fr ou à demander de plus en plus d'informations à votre ambassadrice. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à très bientôt.